J'espère que vous allez bien, c'est Anto du blog prendumuscle.fr et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année. Je vous souhaite une excellente bonne année et surtout qu'elle soit pleine de bonheur et que vous atteigniez vos objectifs. Alors comment atteindre vos objectifs? Comment réussir? Puisqu'on entre dans une nouvelle année et aujourd'hui je vais vous parler des fameuses résolutions, les fameuses bonnes résolutions. Alors sans plus attendre tout de suite, eh bien je vais vous expliquer comment on fait, mais juste avant, je vous demande une chose, c'est de commencer à partager immédiatement cette vidéo afin qu'elle puisse profiter au maximum de personnes, à votre entourage. Ça pourra toujours motiver les gens que vous connaissez eh bien, à atteindre leurs objectifs. Voilà, donc entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler donc des bonnes résolutions. Alors vous savez que les bonnes résolutions, c'est ce que tout le monde espère pour chaque année, mais malheureusement très peu de personnes atteignent leurs objectifs. Il faut savoir une chose, c'est que le sport est dans le top 3 des bonnes résolutions chaque année. Premièrement, c'est perdre du poids, on va pas se le cacher. Deuxièmement, arrêter de fumer. Et troisièmement, se mettre au sport. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement comment prendre du muscle et bien comment réussir vos objectifs à atteindre le muscle que vous souhaitez, à atteindre le physique que vous espérez tant au travers de 9 étapes. Je vais vous donner un plan d'action à réaliser au travers de 9 conseils. Si vous appliquez ces 9 conseils, les amis, je vous garantis, vous allez atteindre vos objectifs et enfin atteindre ces fameuses bonnes résolutions. Alors sans plus attendre, et bien je vais vous expliquer tout de suite comment faire. Premier conseil, posez vos résolutions sur papier. Pourquoi sur papier? Tout simplement parce que c'est le meilleur support pour atteindre vos objectifs. Je vous explique tout de suite. Si vous prenez votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, etc., etc., vous allez noter ça, il n'y a pas de problème. Seulement une fois que vous fermez votre ordinateur ou autre, eh bien vous n'avez plus ces bonnes résolutions sous les yeux. Donc ce que vous allez faire, vous prenez un papier, un crayon et vous notez les bonnes résolutions qui vous tiennent à cœur. Vous notez ça et une fois que c'est fait, eh bien vous l'accrochez là, sur le frigo, sur un mur, quelque part où vous êtes sûr de toujours voir ce papier-là chaque jour au quotidien. D'accord? Ça, c'est la première étape, c'est le premier conseil pour atteindre vos objectifs. Deuxième conseil, ne pas vous disperser. Si vous commencez à avoir trop de bonnes résolutions, vous commencez à vouloir faire ceci, cela, etc., etc., et puis vous en atteignez par exemple 10, il y a de fortes chances qu'en fait, vous n'allez rien faire du tout parce que vous allez vous noyer dans la masse, comme on dit, et c'est le meilleur moyen de rien faire. Troisième conseil, ne pas viser la lune si vous n'avez pas la fusée. Ça, c'est une expression classique, vous le savez, et pourtant, c'est la réalité. Si vous êtes par exemple maigre comme un clou, je vous invite absolument à ne pas faire l'erreur de marquer comme objectif de ressembler à Arnold Schwarzenegger en un an. Ça, c'est concrètement impossible, d'accord? Il faut rester, si vous voulez, réaliste. C'est le meilleur moyen aussi pour réussir ce que vous allez entreprendre. Si vous n'êtes pas réaliste, que vous choisissez des objectifs qui sont clairement inatteignables, vous allez tourner en rond, vous allez vous décourager et vous allez tout laisser tomber. Faut savoir une chose, c'est qu'en plus, si vous choisissez des objectifs atteignables, vous allez être encore plus motivé. Et la motivation, ça fait partie justement du quatrième conseil. Quatrième conseil, soyez motivé. Si vous n'avez pas de motivation, clairement, vous allez échouer. La motivation, c'est la base de tout. Mais il faut aussi avoir une bonne motivation, être sûr de soi, être sûr de vouloir atteindre ses objectifs. Et en ayant une motivation à toute épreuve, vous allez réussir vos objectifs. Cinquième conseil, un plan détaillé étape par étape. Faites-vous un plan détaillé. Je vous explique, vous allez atteindre vos objectifs progressivement. C'est inutile de vouloir y aller d'un trait parce que là aussi, vous allez échouer, vous ne réussirez pas. Ce que je vous invite à faire, c'est vous faire un funnel success. Alors, qu'est-ce que le funnel success? C'est tout simplement l'entonnoir de la réussite. Vous allez par exemple marquer sur votre papier
vous marquez qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Par exemple, si vous voulez vous muscler, prendre du muscle, eh bien, première étape, vous marquez commencer à chercher sur internet, par exemple, des informations sur comment prendre du muscle. Deuxièmement, par exemple, vous marquez ensuite apprendre les mouvements, apprendre les bases de la musculation. Troisièmement, par exemple, vous mettre à une nouvelle nutrition, etc., etc. Je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. Sixième conseil, temporisez vos objectifs. Qu'est-ce que c'est que temporiser ses objectifs? C'est tout simplement que pour la plupart, les bonnes résolutions, vous voulez les atteindre dans l'année en cours. Donc ça veut dire que vous avez un an pour atteindre vos objectifs. Mais un an, c'est très long. En un an, on a le temps eh bien, de tout laisser tomber, clairement. Ce qu'il faut faire, clairement, c'est se donner des étapes à franchir, mois après mois. Chaque mois, en fait, vous allez vous définir un objectif. Vous définissez un objectif, par exemple, à la fin du premier mois. Et puis, une fois que c'est atteint, boum, vous passez au suivant, deuxième, troisième, etc., etc., jusqu'à atteindre votre objectif final. Septième conseil, engagez-vous auprès de votre entourage. Ça, c'est le meilleur, c'est un des meilleurs, je dirais, moyens de réussir vos objectifs. Pourquoi? Tout simplement, si vous en parlez à votre entourage, par exemple à vos meilleurs amis, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir vous engager clairement, vouloir réussir clairement. Pourquoi? Pour ne pas décevoir ces personnes-là et perdre la face. C'est comme ça, c'est dans l'inconscient, c'est naturel et servez-vous-en, ça va vous aider à réussir vos objectifs. Huitième conseil, récompensez-vous, c'est très très important. Lorsque vous atteignez un objectif, par exemple un palier, eh bien récompensez-vous. Je ne sais pas, par exemple, toujours pour l'exemple de prendre du muscle, si vous voulez prendre du muscle, vous arrivez à atteindre par exemple un poids que vous êtes fixé le premier mois, eh bien, à la fin de ce mois-là, je ne sais pas, faites-vous plaisir, offrez-vous un super restaurant ou quelque chose comme ça, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. C'est super important aussi pour atteindre ses objectifs. Neuvième conseil, passez à l'action. C'est aussi simple que ça. Dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, ce que vous faites, vous prenez clairement un papier, un stylo et vous écrivez vos objectifs pour l'année en cours. D'accord ? Vous faites ça immédiatement, ce sera le meilleur moyen de réussir parce que vous allez passer à l'action, vous allez mettre un pied à l'étrier, ce sera déjà un premier pas. Vous écrivez vos objectifs et vous affichez tout ça sur votre mur, sur votre frigo, bref, où vous voulez, mais tant que vous le voyez chaque jour. En fait, vous allez reprendre le point numéro 1. Mais vraiment, je vous invite à le faire, faites-le dès que la vidéo est terminée, faites ça, passez à l'action, ne faites pas comme les 3/4 des personnes qui regardent cette vidéo. Ne faites pas cette erreur, sinon vous risquez fortement de laisser tomber. On remet toujours les choses au lendemain, on se dit bah, c'est pas grave, je le ferai demain, et puis au final, on ne fait rien, les mois passent, les semaines, les mois, les années, et on en est toujours au même point. Pour une fois, soyez fiers de vous, réussissez vos objectifs, faites comme je vous ai indiqué, et je vous garantis une réussite. Voilà. Pour ma part, eh bien, j'ai aussi de nouvelles résolutions concernant mon blog. J'ai plein d'idées, plein de nouvelles choses que je vais mettre en place, dont un concours spécifique qui va arriver au cours de l'année, de nouvelles vidéos formations pour vous apprendre comment prendre du muscle. Je vais essayer de passer un peu plus vite à l'étape supérieure parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent ces vidéos formations justement. Et puis, eh bien écoutez, ce que vous pouvez faire en attendant tout ça, je vous invite, si vous voulez savoir comment prendre du muscle, vous cliquez en bas dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir 1 heure de vidéo formation offerte pour vous apprendre comment prendre du muscle. Et puis pour les autres personnes qui ont d'autres objectifs, sachez que je suis aussi coach en forme et bien-être. Vous pouvez me contacter pour tout objectif physique. Si vous voulez perdre de la masse graisseuse, que vous voulez prendre du muscle, que vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire, savoir comment prendre un bon petit déjeuner, tout ça, vous me contactez, vous allez sur mon blog. Et vous me contacter ou bien sur mon Facebook. Enfin, tout ça, c'est dans la description. Je vous mets tout dans la description pour que vous puissiez me contacter et je me ferai un plaisir de mettre en place votre plan nutritionnel afin, et bien aussi là, que vous atteigniez vos objectifs. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si vous voulez d'autres conseils comme ça. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous n'avez pas trop bu, que vous n'avez pas trop mal à la tête. Moi, ça va, je suis au top de ma forme. Allez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anto du blog prendsdumuscle.fr.